Allez, hello. Ce vlog, on le commence ici. On est en train de jouer avec Amir. Moi, je me suis pris trois fois déjà. Zid. Voilà, il est mort de rire, Amir. Bon, bah aujourd'hui, on est à... On est où? Meknès. On est à Meknès. Sous la clim parce que dehors, à Meknès, il fait trop chaud. En fait, vu qu'on était à Rabat, ben on sent pas cette chaleur. Je vous montre l'entrée de l'hôtel parce que là, on vient d'arriver. C'est vrai qu'on ne vous a pas filmé dès le départ, mais je vous montre. C'est celui-là. Attendez. C'est celui-là. On l'a trouvé sur Booking, encore une fois. On est des abonnés de Booking. Ils devraient nous faire des codes promo et des remises, là. Nightclub. Si tu m'as goûté, nightclub. Je sais pas, je me suis gardé. Il a dit attends, c'est un endroit haramiste. C'est un endroit haramiste le truc ou quoi? Je sais pas, il y a un bar, un nightclub. Mais c'est normal. C'est un hôtel, ah. Il y a de tout. Amir, elle a un direct sandalon. En plus, il les met à part, tu sais. Ouais. Et nous, comme par exemple, on se garde devant. Bon, nous, on teste cet hôtel. Pourquoi? Oh, dédicace à toutes les personnes de Meknès. Oui, à ce qui paraît, il a croisé plusieurs personnes. Moi, j'ai pas compris comment. Bon, les dernières, je les ai vues aussi. Bon, je suis aigrie. Bon, on me dit pas bonjour. D'accord, on s'en prie. Ils nous font attendre. Faut qu'on attende que la chambre soit prête. Non. À voir ce que ça va donner. Voilà. Pour l'instant, ça sent comment, Yacine? Comment se dit tout? Quoi? Papa, déjà, je me tiens ça. Amir, déjà, niveau timing, ils sont nuls. C'est nul parce que ça devait être prêt à 14h, on est 16h. Bon, je veux pas faire mon aigri comme il dit, mais ça me fout les semaines. Ça t'énerve pas? Non, mais moi je suis énervé, oui, mais j'aime pas faire le spectacle comme elle fait elle. Parce qu'elle, en fait, elle fait ça. Une mise en scène, attendez, là je suis là. Oh Yacine, c'est pas vrai. Oula, que c'est pas vrai. Oula, c'est pas vrai. C'est juste que moi ça me fait chier en fait. On ne vend pas. Ça m'énerve. Il a intérêt à être bien sur cet hôtel. Au final, ça n'a pas pris longtemps, je suis une mauvaise langue. Mais à voir, à voir. Normalement, ça devrait être déjà prêt. Attendez, je m'envoie. Ici, il cherche la chambre. On dirait pas on est avec les pharaons. Je sais pas. La lumière. Comme ça, je ne peux pas trop chercher. Toujours pas? Elle est là. Et je crois, peut-être on a vu une piscine. Non, je pense pas. Oui. La piscine, c'est de... Non, mais je pense que c'est de ce côté. Non, je pense que c'est de l'autre côté. Moi, je pense qu'il y a juste là. Non. T'as raison, mais pas peut-être. Oui, j'ai raison. Oh, il fait bon. Waouh. Il fait bon. Elle t'a dit quoi par rapport au lit de la piscine? Oui, vu piscine, tiens. Mais le point de la piscine. Attendez, on regarde. Allez, j'arrive pas à ouvrir. Comment t'as fait pour regarder? Elle est où la piscine, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai. Choqué. Je sais pas si on peut se baigner avec. Ben oui, on peut se baigner. Ah oui, je vois des filles là-bas. On peut se baigner comme on veut. Comment? Moi, je comprends pas les endroits où ils te disent là, tu peux pas te baigner comme ça, comme ça. En fait, on a interdiction de se baigner comme on veut là-bas, ici et de l'autre côté. À fond. Amir, on va à la piscine? Non. Pourquoi non? Aujourd'hui, on va faire les critiques de cet hôtel. D'ailleurs, j'ai trouvé un abonné, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des trucs à faire à Meknès? Il m'a dit, avec cette chaleur, il n'y a rien à faire. Tu vas dans ta piscine, tu te refroidis, tu dors. Ouais. Mais j'ai bien aimé le style, tu vois. Ouais, c'est ancien. C'est un style ancien. En même temps, pendant qu'on s'habille, on a mis un match. Il a une habitude, tout vêtement avec des étiquettes, il a envie de les couper. Et du coup, là, on n'avait pas de ciseaux. Là, il a utilisé un tas de frappe. Amir, tu sais que Amir, c'est quelqu'un. Oh.
Il vous explique une définition. Ah, il m'a mis un coup de poing. Je suis désolé. Mais regardez là. Là, c'est que le matin et je suis éclaté. Mais je l'aime bien. C'est mon fils. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? يلا نمشيو نعومو في لابيسين انا غرقك نو ايه نو ايه دابا تشوف اختار اوه ايه سي ترو بو سي ترو ستيلي نوتر شامبر الي لاو لا نفا لابيسين على ايه ليلى سي بو او با اون فري سي بو ايه سي جولي ايه سيت بيسين ان فات الي با بريفي كو بور لوتيل جو بونس كيلي بوبليك اوسي La base pour mon crâne, ça. Je mets la même protection que Amir. Comme ça, au moins, vous pouvez. Comment on dit Gaudi? Gaudi, donc. Profiter. Profiter d'un beau crâne. On dirait la lampe d'Aladin. Zid Amir, vas-y. Allez. Vas-y. Du coup, on a demandé des mojitos là. Bon, c'est plus des sprites avec sirop de menthe et tout ça. Hein. On est à l'ombre et tout. Et. Léa, il fait chaud ou pas? Hein? Il fait chaud ou pas? Il fait un peu chaud. Il fait chaud quand même. On est à l'ombre et tout. Il fait chaud. Hein? C'est ça qui est bien. Que Amir n'a pas aimé le mojito. Oh. J'avais tout versé, Amir. Oui, oui, oui. Ici, c'est fini. On va rentrer. On va se doucher. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller ce soir. Là, on est à l'hôtel. Hein? On a fini dans la piscine. On a fini avec la piscine, on a pris la douche, on s'est reposé vite fait et tout. J'ai regardé un peu les infos à la télé et je les regarde un peu encore. Du coup, j'avais mis une story sur Instagram en disant qui pourrait me donner des endroits où aller à Meknès parce que c'est la première fois qu'on vient ici. Du coup, j'attends les réponses, mais bon, pour l'instant, on va aller manger dans un endroit parce qu'il est déjà... Ouais, il est presque 21h déjà. On va les manger et puis après j'espère que je vais avoir des trucs sur Instagram. Sinon voici mon Instagram, abonnez-vous comme ça au moins pour les prochaines fois vous serez là. Et voilà. La nuit il y a du monde qui est à la piscine. Mais moi je regardais là, là-bas les bouchons. Et je me dis, ah là là, ça va être blindé je crois. Film de peur. On dirait des films américains où il y a toujours un assassin dans une chambre. Ah voilà. En fait, moi j'ai vu plein de TikTok des gens qui disaient je connais Michel Meknès, mais fait l'air de mal dans la voile. Et en fait, là, c'est vrai, la ville elle a pas de lumière. Oui, les lumières elles sont très. Est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas. Genre, ça illumine vraiment pas du tout là. Avec le téléphone, on dirait que oui. Mais vraiment pas du tout, genre. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais je les ai vus vraiment à la vidéo. Oh, j'arrive, c'est vraiment sombre. Parce que même les rompos, ils sont pas en dos. Mais elle m'inspire. Elle m'inspire. Confiance. Ouais, je sais pas, j'aime bien cette ville. Elle est bien. Ah, et par contre, il y a du monde. Hein. La nuit, je l'aime la trop, même. En fait, ça m'inspire. Chez moi, genre. Ah, un hogar. Je sais pas. Bien, quoi. Je me sens bien. Je me sens bien. Où est-ce qu'on est là? Oh, là, il y a des choses. Là, il y a beaucoup de monde après. On pourrait s'arrêter là. Tu vois, là, c'est un rond-point. Je le vois pas, moi. Ouais, on le voit pas. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Avec la caméra, il ne voit pas qu'il n'y a pas de lumière, en fait. Il ne le voit pas. Ah, assez. Regarde. Oh, ah, ben, regarde. Il n'y a rien d'allumé, genre. C'est pour ça. Bon. Peut-être que c'est juste que ça marche pas maintenant. Oui. Ah, non, parce que Benoulli Hadrali, je les avais même pas vus. Les magasins, à 22h, tout est encore ouvert. Non, ça c'est dingue, ça c'est le Maroc. Ça c'est le Maghreb, voilà. Ça fait tellement plaisir. Ça c'est le Maroc, ça. En fait, on a vraiment besoin de venir au Maroc, sinon on se sent pas bien. Oui. Bon, là on va choisir. On était là-haut à la base, on est monté là-haut. Le mec il nous a ramené tout. Après il nous voit descendre comme ça, il nous dit vous allez où? Et j'ai bien envie de s'asseoir là. Franchement, les vues, c'est beau. Il y a une grosse télé là. Et là, Leïla va nous choisir des plats. Snowbrite, pizza? Oui, c'est quoi pizza fajitas?
pizza fajitas. Je pense que je vais prendre ça. Mazapesh. Oh, y'a. Amir, il a le meilleur cocktail. C'est du jeté. Tu m'en dis. Là, il est en train de kiffer son cocktail à la fraise. Bon, c'est juste un jus de fraise, hein, mais bon. On s'est pris une grosse bouteille d'eau aussi. Et là, après, nous, on a pris que des petites sodas. Leïla, t'es en stress avec Amir ou quoi? Moi, j'ai reçu ma pizza fajitas. On sent franchement l'odeur, elle est incroyable. Et Leïla, elle a des cordons bleus fait maison avec des légumes. Ça a l'air trop bon. Risotto. Amir, il a la haine parce qu'il a pas reçu ses trucs encore. Amir, Mel. Ça arrive, Amir, ça arrive. Bon, là, c'est de Leïla vient accompagner de cette sauce. Amir, il a ça. Ça a l'air trop raffiné, voilà. C'est trop beau pour un enfant, ça. Agis, Amir. Bon, la pizza, très bonne. La pâte, elle est faite maison, tout est fait maison, c'est très bon. Ça, c'est magique. C'est des cordons bleus fait maison, vraiment. Mais les pâtes, Leïla les avait goûtées déjà. Mais moi, je viens de les goûter, là. Parce qu'on les a pris pour Amir, mais Amir, il mange ma pizza, du coup. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, Leïla, qu'est-ce que t'en penses, toi? Les pâtes en premier, deuxième mon plat, et troisième tes pizzas. Ouais, bon, la pizza parce que voilà, c'est basique quoi, c'est une pizza quoi. Mais ça c'est. Tu veux une autre, hein, Xé? Elle est restée, papa. Ça, c'est caca quoi. Et voilà, franchement. Et le serveur, franchement, il est au top. Et même si on est presque. 23h, le petit café là, il va m'aider à la dame. Leïla, elle m'a eu. Elle s'est pris ça. Et moi, toujours avec mon petit café. Franchement, ça, regardez-moi le prix. Tu sais que normalement, ça, c'est le là, prix. Là, on a payé pour 28 euros. Et on a mangé tout ça, là. Et franchement, on a mangé bien. On voit qu'on a bien, bien mangé. Même en France, j'ai jamais mangé des plats aussi bons. Bon, là, c'est vrai. Voilà. Et servi par Yacine, en plus. Il s'appelle comme moi. Ça y est, on va rentrer. Il fait dodo. Le petit fait du coup, dedans. On peut pas faire un tour à Meknès. Ouais, parce qu'on n'a pas la carrosse non on plus. On est désolé. Donc... Et du coup, on va rentrer. On vous montre l'entrée fois, de l'hôtel parce qu'il est trop beau. Ouais. Regardez comment il est trop beau. Allez, Yacine, marche. Marche. Attends, je marche naturellement, Leïla. Il est trop beau. Abonnez-vous sur Instagram, on va mettre history. Allez. Non, vous l'avez entendu, hein. Abonnez-vous sur Insta parce qu'on met plein de bonnes. Qu'est-ce qu'on met sur Insta, Yacine? Des stories. Attends. On a des bons plans à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Je veux faire une story. Ah, ok. J'avais pas compris qu'il voulait faire une story. Les amis, on est arrivé à l'hôtel. Amir, il dort. On va mettre la télé très doucement. On va regarder un peu la télé et puis après, on va aller dodo. The next day. Bon, là, c'est le on va aller manger. Et Amir, comme un champion, il appuie sur le 2 avant d'appuyer sur le 0. Oh là là. Voilà. Il fait n'importe quoi à chaque fois. Voilà, j'ai gagné. Ah, mais à chaque étage, il y a un truc. Comme ça. T'as pas gagné. Agis. Bon, mais du coup, là, on va aller faire le petit déj. On va voir s'il est bien ou pas ce petit déj. Moi, niveau déco, je le trouve magnifique. C'est trop beau. Et là, on se dirige vers le petit-déj. Ça commence à sentir déjà. Hey, à niveau déco, c'est très beau. Voilà, le petit-déj de 7h à 11h. Là, on est 9h. On est bien. Il y a pas mal de choses à manger. Voilà ce qu'on a pris. On rigole parce que Leïla elle vient de me dire quand j'ai galéré à rire. Bon, moi j'ai pris une simna. C'est de la dinde de fumée. Baïda. Fromage. Bon, déjà c'est pour commencer. Avec mon petit verre de thé et le jus pour après. Amir lui a pris ça. Leïla pareil, elle a pris ça. Maman donne. Elle a pris et le belbo là aussi. C'est que j'aime bien les œufs. Mais du coup, elle est partie demander au serveur. Elle me l'a préparé, elle me l'a ramené. Oui,
tu vas faire n'importe quoi là. Ça, papa. Ça fraude, ça. Il m'a pris ma dinde. J'ai rien acheté plus. Bon, on prendra plus. Au niveau déco, j'ai rien à dire. Hein. C'est très beau. Et niveau piscine, c'est parfait aussi. Ajoute un peu de kaimoun, zit zitoun, melha, une petite tranche de dinde et un fromage. Et là, c'est bon. T'es ouf, t'es bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le fils. Leïla, elle a mangé le truc avec une fourchette. Là. Je suis endormie. Et là, Leïla. Et il fait une chaleur pas possible. C'est le matin. Et la voiture, elle affiche combien? Elle affiche 38 degrés. 38 degrés. C'est horrible. Attendez, je vais allumer la clim là. Mais il fait 38 degrés et demi. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que ici à Meknès, il y a beaucoup de Français. J'ai pas vu un Espagnol. Bon, quand je dis Espagnol ou Français, c'est des Émireux qui viennent d'Espagne ou de France. Tu as dit que j'avais des choses à dire, mais. Ah, je sais pas. Non, je rigole. Franchement, c'était trop bien. Franchement, j'ai trop bien aimé l'hôtel. Il est très bien. Au début, j'ai cru que ça allait être un flop, mais vraiment, j'ai cru ça. Mais après, c'était super. Autant tout en fait, les services, l'accueil, tout était parfait. Mais c'est parce que dès qu'on est arrivé, il y avait une femme qui criait, qui disait « Ouais, j'ai une chambre, il n'y a rien qui marche, tout est sale, on n'a rien compris. » Ouais, alors que de notre côté, la chambre elle était nickel, tout était nickel. La piscine était incroyable, ouais. Les serveurs super aimables, super gentils. Pépite, et en plus c'est pas trop cher. Moi personnellement je vous le conseille. On a payé 70 euros ouais. La nuit. Franchement, personnellement moi je vous le conseille. C'est super, il est incroyable. Et sinon par rapport à Meknès, il fait vraiment chaud. Trop chaud. Et je pense que pour vraiment visiter Meknès, faudrait qu'on ait quelqu'un de Meknès qui nous montre genre. Parce que là, nous tout seuls, on ne va pas savoir aller quelque part. Après, j'ai eu un pote à moi qui m'a donné des endroits où aller. Il m'a dit après, il n'y a pas grande chose à faire. Et de Meknès, on est parti direct à Rabat. Elle est rentrée dans un centre commercial. Voilà, passage obligé. Là, c'est des sushis crispy. Je kiffe. Après ça, on a acheté sur poulet caramélisé. Un peu de riz. Mais pas celui. Elle est en train de faire des stories. Du coup, abonnez-vous à notre Instagram, Snapchat et tout. Regardez. Amis, c'est bon, on a fini de manger, on va partir. Mais je sais pas pourquoi il me regarde très mal là. On va le cacher. Et du coup, voilà, là c'est bon, on va rentrer à la maison, on va se reposer un peu. Et on va sortir après le soir à un endroit. S'il est intéressant, on va le mettre dans ce vlog. S'il est pas intéressant, à la prochaine. Peace and love. Ciao. Sinon, on fait un deuxième vlog. Deuxième vlog alors. Bon, la team. Je viens vous solliciter à nouveau. On est à Slam, Rabat. Et là, en fait, ma mère elle m'a dit qu'il y avait comme une petite fête foraine vers Slam. Mais qu'ils l'ont déplacée vers Trak. Tanetra. Non. Tanetra. Je crois. Wow. C'est la ville qu'il y a avant Rabat. Et on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment ça s'appelle, ni rien. Est-ce que quelqu'un saurait? Oui, attends, chaton. Regardez où est-ce qu'on se retrouve. À la foire de Mehdi, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est vers Penetra. Ça s'appelle parc de jeux. Voilà, c'est un parc de jeux. Et mes soeurs, elles vont le monter ici. Leïla et là. Leïla, ils veulent monter ici. Moi, ce que je vois, c'est juste qu'il n'y a pas de attache. Ouais, c'est dangereux. Hein? Leïla, elle a peur de tous ces manèges. En plus, le problème, c'est qu'il n'y a aucune barrière. Et à chaque fois, on a peur que Amir rentre direct, quoi. Mais voilà, sinon ça va. Ça va, Leïla? Ça va. Ouh là là, moi j'ai peur. Hein. T'attention. Hey, je suis allé à Porto Ventura et tout, mais là j'ai peur. T'attention. Voilà, vive une merde avant moi.
pas le même niveau. Ouais, c'est pas la même sécurité, hein. C'est pas la même chose que Shambhala, ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'il y a trop de temps, tu l'as, allez voir la famille. C'était quelque chose. C'est plus quelqu'un. Dans quelques instants, nous serons plus de ce monde. Voilà, c'est bon, là on rentre. Là il y a Fatem Zahra. Après, il y a le pauvre Edem là-bas, il est en train d'agoniser. Anda Galeila.